Faut que je trouve un nouvel épouvantail du coup. Hmm. Super. Au top. Maintenant la question c'est, est-ce que cet épouvantail est en exté ou en inté? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est complètement outdoor? Est-ce qu'on est sur un truc un peu en exté full ou... Un immense gland au premier plan, messieurs, dames. Magnifique. C'est super beau. Merci Will pour le 4e mois. Merci Gunk pour le Prime. Merci pour le Prime aussi. Kyozen pour le 8e mois. Axel pour le 5e mois. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour ce soutien. C'est un beau gland, hein. Non, mais ça, ça n'a aucun rapport. Lui, c'est. Lui, il ouvre. Lui, c'est juste, tu laisses ton chapeau, il t'ouvre ça, quoi. Mais ça, on a déjà fait. Je vois Doglan à l'écran, moi. Je rigole, je t'aime. Tu peux moindre mon chapeau, s'il te plaît. Moindre mon... Merci, moi. C'est gentil. Attends, mais peut-être qu'il active autre chose, lui. Non, je sais pas pourquoi il activerait autre chose. Je... Non, je pense pas. Ouais, il faut que ça fasse tic-tac. Il faut que ça fasse tic-tac. Ouais, là on a plus rien à trouver, hein. Ça date. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Et de l'avoir oublié, je sais pas si... Je sais pas si... C'est forcément un épouvantail. Ouais, par contre, c'est forcément un épouvantail. 100%. Ou alors, j'ai rien compris au jeu. Après, regardez, il y a un gros problème aussi, c'est qu'on est obligé de se déplacer parce qu'en fait, il y a la... Pardon, il y a la distance d'affichage. Regardez, par exemple, l'épouvantail qu'il y a normalement juste là, en face. Juste là, ben là, on ne le voit pas. Magné. Donc, donc on est obligé de... Bon, on va marcher, quoi. Ah, mais attendez, il y a peut-être un... Il y a peut-être les grosses jumelles. Le lapin, on l'a fait. Ça, on a fait. Ok. C'est pas gentil pour les jumelles. On parlait d'un objet, bien sûr. Ni de mes sœurs, ni des sœurs Olsen, évidemment. Évidemment. On précise. Je suis en recherche d'épouvantail. Magnifique lune, regardez. Épouvantail, si tu m'entends, fais un bruit. Trois fois tic-tac. C'est juste un gameplay, pas un speedrun. Alors non, c'est pas juste un gameplay. Je trouve que t'es en train de vachement de réduire ma perf, là. C'est un slowrun. C'est un slowrun ici. Je rappelle que je suis... champion du monde de slowrun sur pas mal de jeux. J'ai pas mal de perf à mon actif encore aujourd'hui. Et puis on va continuer sur cette lancée, quoi. C'est quoi ça? Mais attends, mais il y a un épouvantail juste ici. Mais j'ai plus mon chapeau, pardon. Yes! Ok, ça c'est good, messieurs, dames. Ça c'est good. Super. Je suis super content. Lol. Ok. Il nous en reste deux.
dont même pas froid, flon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner là-bas et on va aller parler au poteau Perroque. Tu vois ce que je veux dire? Le poteau Perroque, comme on aime l'appeler, bien sûr. Pidum, pidum. Oh les bibibibi. Just Cizzy, merci pour le 10e mois. Rek Bushi pour le 9e mois. Gigo pour le 6e, merci à vous. Pour ce soutien de plusieurs mois. Dont une avec le tableau. Ouais, une avec le tableau. Tout à fait. Popim, popam, papem. Ok, alors. Accès secret, flocon en flonflonie. C'est le tableau, c'est le tableau. Donc en fait, il me reste le tableau. Attends. Revenons. En fait, il me reste le tableau. Et même pas froid. Donc, même pas froid, flon. Alors, même pas froid, flon. Donc, en gros, flon, il y a un rapport avec un flon. Donc, quelque part, il y a un flon. Il faut qu'on lui fasse comprendre qu'on n'a pas froid. Donc, c'est fort. Moi, je pense que c'est dans le village. Parce qu'il n'y a pas de flon ailleurs. Pour montrer qu'on n'a pas froid, on se met à poil. Et on lui dit, tu vois, on lui dit, nous, on s'en fout. On va prendre... On va prendre ça, et là, on va se mettre en calbute. On se met en calbute, petit chapeau, ok? On se met propre. On se met très très propre. Là, on va devant la personne qui voulait m'ouvrir que si j'étais en... C'était quoi? Attends, c'était où déjà? Même pas froid, bah si, il est tout. Ah. Flon? Gave comporf comme celui qu'on court. Le feu uniforme digne de fenon, un calfon. Oh bah là tu m'impressionnes, il en faut pour te balader un café par le froid. Quel odaf le moufafu prend. Sans les mains. Sans... Enfin si, parce que du coup là, je tiens la manette effectivement. Okay. Incroyable. Jure t'as réussi sans la soluce. Bah... Mais en fait, mais vous... C'est à chaque fois la même chose hein. Tous les trucs les plus simples, je n'y arrive pas du tout. Mais tous les trucs les plus improbables, j'y arrive. C'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps la même chose. Vraiment. Même moi, en faisant ça, vu que j'ai l'habitude de tenter des trucs improbables qui ne marchent jamais, même moi, en faisant ça, je me dis, c'est jamais ça. Je me suis vraiment dit, ce sera jamais ça, c'est sûr. Vraiment. Ok. Ben, si tu veux, Pompon, c'est un gamin qui est un peu en dehors des cordes. Ouais, c'est sûr. C'est un mec qui... C'est complètement à l'ouest, complètement à l'ouest, et je parle pas de la région finistérienne, bien sûr. Qu'est-ce que je fous? Attends, qu'est-ce que je suis en train de... Ok, 54 sur 55. Et donc c'est le tableau. Donc messieurs, dames, Pays des Neiges est officiellement terminé jusqu'à ce qu'on trouve le tableau qui nous mène jusqu'à cette lune qui nous manque. Voilà. Je pensais pas du tout que j'allais y arriver. Mais vraiment pas du tout. Je suis assez fier. Merci à Iriste pour le 11e mois, merci à Victoria pour le 4e mois et au Shibkao pour le 7e. Merci beaucoup. Accès secret, Fillon. Fillon rend l'argent. Eh ben écoutez, on peut tracer. Ça me... Voilà, on va aller tracer vers un autre monde. On n'est pas arrivé par un tableau la dernière fois. Si, mais c'est là-haut. C'est autre chose ça, je crois hein. Attends, on va en avoir le cœur net, hein. Ah, c'est pas celui-là qu'il faut, c'est celui-là, ouais. Il nous reste combien de lunes à trouver environ? Il nous reste environ 320, on va dire.
tout cas, sachez que vraiment j'adore ce let's play. Je trouve ça super chill et tout. Et d'ailleurs, mon jugement sur le jeu a totalement évolué depuis les premières heures, clairement. Je kiffe le jeu et je trouve qu'il est, ouais, il est juste de mieux en mieux, entre guillemets, parce que trouver des lunes et les farmer, etc., et enchaîner, c'est vite redondant. Par contre, se creuser un peu les méninges pour essayer de trouver des trucs, clutch sur des moves improbables et tout pour trouver les dernières lunes, là, c'est pas mal, tu vois. Et c'est super cool, vraiment, je passe des super mercredis. Là, ça se voit pas trop parce que je suis un peu en suquet, si je puis dire, mais vraiment, c'est très cool. Tu vois, je suis arrivé par là, je crois. J'avais le même avis que toi sur le jeu, Ponce, mais en te regardant, je me suis dit que je devrais peut-être m'y remettre. Mais en fait, ouais, c'est... Le truc, le jeu est juste, entre guillemets, de mieux en mieux, tu vois. Enfin, moi, je trouve, en tout cas. Qu'est-ce qui se passe déjà ici? Je sais plus. Merci, Ria, pour le sixième mois d'abonnement. Pourquoi t'es en suqué? Vaccin hier soir. Du coup un peu in the vap. Pays du lac, qu'on a tout à fait terminé aussi, si je ne dis pas de bêtises. On va pouvoir le vérifier évidemment. Avec un... Ouais, terminé la semaine dernière, le pays du lac. Pays des sables, pas encore terminé, mais c'est un des plus grands pays. Ok. Pays des chutes, il m'en reste un, c'est le tableau. Pays des chapeaux, terminé. Royaume Champi, il m'en reste une quantité astronomique. L'ultime destination, c'est fait. Le côté obscur, on les a 17 sur 24, on les a pas toutes, mais il n'y a pas de perroquet, je crois. Si. Ah, c'est des indices, ouais. True story, Ponce. Chaque mercredi, je me dis, oh non, c'est Mario aujourd'hui, parce que j'aime pas trop les Mario 3D. Et à chaque fois, je reste des heures et je passe un bon moment. Bah, c'est super sympa que ça, jeune. Si j'arrive à te faire apprécier un jeu qu'à la base t'aimes pas trop, c'est un très beau compliment que tu me fais là, de par ce message finalement. Pays de la lune, pays de Bowser. Ah putain, c'est vrai le pays de Bowser. Pays de la cuisine. Ok, on en a pas mal. Qu'est-ce qu'on se fait? Il y en a un où on n'est pas allé depuis très longtemps, c'est le pays de Bowser. Parce que cuisine, on y est retourné à un moment. On va aller pays de Bowser. Parce que on n'y est pas retourné depuis un moment. Bim. Ouais. Direction pays de Bowser, messieurs, dames. On n'y allait qu'une fois, d'ailleurs. Qu'une fois, c'était bah, quand on l'a découvert et tout, quoi. Et donc, ça me fait 675 lunes. Oh, je vous cache pas que quand je l'aurai, si jamais j'arrive à le faire à 100%, je vous cache pas que je serai assez fier. Attendez, avant, je vais aller là, attendez, je vais aller là avant. Gratte-ciel, tu l'as fini? Non, on n'a pas fini Gratte-ciel non plus. Non, mais il reste plein de trucs en vrai, ça me régale. Il reste beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous dis que je pense qu'il reste une 50 heures de jeu au moins, soit un bon 3 mois sur le jeu encore, je pense. Hein. On va aller voir Toadette, ouais. Non, c'est un argument de flexage, j'ai 100% Mario Odyssey. Bah... Je te cache pas que dans mon Hall of Fame des 100%, j'ai quand même Zelda Breath of the Wild, ce qui est pas une mince affaire, on va pas se mentir. Moi, si je peux rajouter mon Odyssey, je serais assez fier, effectivement. Ouais. Tu vas le marquer sur ton CV que t'as fini Mario Odyssey. Ouais, je pense, ouais, complètement. Pour tenter d'être recruté par la Ponce Corp, quoi, bien sûr. Évidemment. 112% Hollow Knight, et là tu es le king. Ah ouais, Hollow Knight, ouais. Tu as attrapé toutes les Korogu. Ouais, j'ai fait 100% de Zelda Breath of the Wild. J'ai tout fait sur le jeu. J'ai absolument tout fait sur le jeu en live. J'ai fait le 100% Zelda Breath of the Wild du début à la fin en live. Et ça, quel plaisir. C'est une expérience de streaming de fou. Seigneur de la Lune. Imumam. En plus, avec mon Mario 8 bits, c'est énorme.
On enchaîne. Mais non. Voilà, elle nous met très très bien, Toadette. Hein. Vraiment, là, c'est une régalade. Mais non! Mais quoi? La dernière fois qu'on l'a vu, elle nous en a donné genre deux. J'étais en mode déjà, oh, let's go. En fait, c'est les 300 dernières, messieurs, dames. Merci beaucoup d'avoir suivi ce let's play 100%. Merci beaucoup. Là, il reste 2 heures de discussion avec Toadette et c'est terminé. Merci en tout cas d'avoir suivi ça. Attends, mais vraiment? Mais... Je pensais pas, mais il y a moyen qu'on atteigne les 700 aujourd'hui. Hein. Je pensais vraiment pas, par contre. Permettez-moi de prendre une barre de céréales. Quoi? J'ai plus de céréales. J'ai plus de barre de céréales. Je vais mourir de faim. J'ai plus de barre de céréales. Qui m'a pris ça? Ah. Une étoile. Je comprends pas d'où viennent toutes ces lunes. En gros, Toadette... Elle te donne des lunes en fonction des lunes que t'as déjà. C'est-à-dire que tu vois, genre là, c'est un challenge passionné de souvenirs. Je saurais même pas dire ce que c'est. Voilà. Elle-même, elle le sait pas. Merci Didas pour ce 2e mois d'abonnement. Un moment que je voulais m'abo, du coup j'avais claqué mon prime à la base, mais voilà. Ah merci Didas, c'est gentil. Merci Didine the Queen pour le 17e mois. Merci de Simmer pour le 18e aussi. Merci beaucoup. Mais attends, mais... Toadette. Ah voilà, le challenge, il y a que ça de vrai. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci Mazar pour le prime. Bienvenue. Et bah plus 20, c'est propre, non? Ah, j'ai bien fait de passer, tu vois. Moins vite, merci Baku Baku. Merci Quentin aussi, merci à vous. Bon ben voilà, j'ai beaucoup de mérite pour toutes ces lunes qui ont été récoltées là. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup bossé. Le jeu de cartes que j'avais commandé sur la boutique est arrivé, je m'attendais pas aux pins, mais ça régale, je suis trop heureux. Bien sûr, petit pins. Alors, on avait dit qu'on allait où? Ah oui, Bowser. Parti. Après recherche, je viens de me rendre compte qu'il me restait en fait des barres de céréales. Ça, c'est énorme. Qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr, bah évidemment, on va aller chercher ça. Merci Raph pour le 5e mois. Merci Lapin Dirul pour le 8e mois. Merci Vendigo pour le 6e mois aussi. Merci beaucoup. Sur ces lunes durement gagnées, je me réabonne. Merci beaucoup. C'est mérité, hein. Incroyable ce niveau. Bon, avant de l'entamer, j'ai encore envie de faire pipi parce que je bois beaucoup d'eau là. Slow kawa et tout. Je vais faire un petit pipi. J'arrive, on fait ce niveau là. Nick Tomer, merci pour le 2e mois. Je vous laisse avec ce skin magnifique.
Je suis à vous dans 1 minute 30, à de suite. Re Mario, qu'est-ce que je me fais encore picorer par un moineau là? Qu'est-ce qui se passe? Non, honnêtement, c'est le meilleur skin je trouve. Il est à la fois fun, à la fois mignon, à la fois non vraiment ce skin exceptionnel. J'aime trop. Merci Brouette pour le deuxième mois d'abonnement et Puffy Sunflower, merci pour le troisième mois. Il est horrible. Quoi? Il est magnifique. Il est trop mignon l'oiseau par contre, c'est abusé vraiment. Regardez-moi ça. J'aime pas trop perso. Ce skin ? Exceptionnel. Il est dingue. Quel est ton monde préféré ? Je sais pas si j'ai un monde préféré, je sais pas tu vois. Putain, c'est vrai qu'il y a un mode photo, mais pourquoi j'ai pas fait ça? Merci beaucoup, Sirkawette, pour le Prime, merci beaucoup. Te voir jouer me donne envie de jouer, le skin que tu mets me donne envie de chialer. Attendez. Ils auraient quand même pu l'animer un peu. Je crois que c'est un peu le troll aussi, tu vois. C'est un peu la vanne, quoi. Attendez, parce que là, on va quand même dans un endroit très différent. Faut y être préparé. Je peux y aller en Wario. Ah, des barres. Vas-y, je l'ai jamais vraiment mis. Vas-y, go. Joue en invisible. Non, ça c'est chaud quand même. J'ai jamais mis. Let's go. Mouah ! Allez, let's go. Ouvrez-moi ces portes, bordel, ouvrez-moi ces portes. Quoi? Passe par ici, un raccourci. Ah, nice. Merci, bro. Ah, j'avoue, ils auraient pu l'animer genre en 10 FPS. Ah, j'avoue que ça aurait été drôle, ouais. Un 0 balle au centre, c'est vrai. Il est où, le cube, déjà? Il va sur la map. Où est-ce qu'il est, ce cube? Merde. Là-bas. C'est bon, je le vois. Je pense que j'y suis en faisant ça. Propre. Propre. Y a un truc qui est particulier dans ce... Je trouve dans ce Super Mario Odyssey, c'est que le gameplay a un truc de jouissif un peu plus que les autres, je trouve. Ce petit côté... beaucoup de moves possibles et tout. Et c'est magnifique. C'est super joli. Ouh, le farm commence à peine. Ouais, le gameplay est smooth, c'est ça. Il est plus complet, ouais. Il y a beaucoup de possibilités et tout, mais je veux dire, il passe bien, tu vois, aussi. Je m'ouvre une petite part de céréales parce que j'y pep. Ouais. La casquette rajoute beaucoup de mobilité et de possibilités et tout, ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, il est vraiment cool. Ouais.
On l'a déjà. Enfin, on l'a déjà. Pas la, l'indice, quoi. What? Il y a un truc là? Bah, en l'air, du coup, j'imagine. Est-ce que je peux monter là? Oh, ça fait... Oh, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé dans ce monde. Bah, c'est là... J'y suis allé une fois. C'était bah, pendant l'aventure, quoi. Pas... Et pas retourner ensuite. Je peux casser ça? Comment je peux casser ça? Ok, bon, je vais forcément galérer parce que vu qu'on n'y est pas allé depuis longtemps, il y a des mécaniques que j'ai complètement oubliées, c'est sûr et certain. Ok. Ah, dans le bloc, il y avait forcément une lune, hein. Mais c'est juste que je ne sais pas encore comment la récup. Oula! Pour faire quoi? Oh, ça va être immonde. Où est-ce qu'elle est, cette... Là? Ah bah le truc, c'est le... Le truc... Mais c'est le cube, en fait. Ok, c'est le cube. Comment je peux casser ce cube, déjà? Comment je peux casser ce cube? Avec eux, peut-être. Je vais faire ça. Est-ce qu'on peut sauter et puis... Ah non. Ok. Qu'on comprendra après, au pire, c'est pas grave. Putain, y a tant de trucs à faire sur ce nouveau monde là. Bon, on va le faire dans l'ordre. On va procéder par ordre stratégique et tout simplement chronologique par rapport au niveau en lui-même. On récupère ça pour les pièces. Ok, y a un truc ici au milieu. Faut juste tuer ça, je pense. Et du coup, j'ai fait de la merde parce que. Il aurait pas fallu tuer ça, parce que là, du coup, je peux pas... Je peux toucher? Aïe, je peux toucher ou pas? Oh non. Ok, nice. Il me refournit de quoi le tuer, c'est nice. Ah non, pardon, je voulais pas... Ok. Ok, j'ai pas réussi à sauter dessus. Oh, je vais mourir. Je vais mourir. Je croyais qu'il fallait le toucher par en dessous, parfois c'est ça qu'il faut faire, mais pas du tout là. Ah non. Une petite mort, mais c'est ce qu'il fallait, ça remet les idées en place, c'est bien. Et il y aura en face aussi, hein, d'ailleurs, ouais c'est ça. Ok. Musique incroyable. Hein. Tu me bloques là. Voilà. Hein? Faut que je passe comme ça. Ah non. Ah non, les pauvres, ils meurent du coup. Mourrez pas. Attends, non. Attends. Oui. Ok, top. La hauteur est ok, mais je peux pas plus. Nice. Et enfin, dernier coup. Ah bah non, c'est bon. Bah voilà. Les modes ponce F a disparu ou je suis aveugle? Ah, ça fait longtemps. Enfin, ça fait longtemps, ça doit faire 3 mois, un truc comme ça. En fait, il n'y a plus le droit sur Twitch à avoir des émotes avec juste une lettre.
Parce que ça permettait à des gens de faire du harcèlement ou quoi, même en emote only, etc., etc. Donc ouais, ça fait un petit moment. Sur Twitch, il y a plus du tout d'émotes à une lettre. Tu peux quand même mettre deux lettres, tu vois, genre GG, d'être comme ça, mais une lettre, c'est plus possible. Pour que les gens puissent pas faire de phrases ou d'autres comme ça, même en emote only, tu vois. Ah! Oh non, faut... Ah mais il va falloir que je me fasse du mal au bras là. Oh l'enfer. J'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Ok, va falloir secouer très fort. Ok. C'est pas clair comme geste. Non, c'est dur, c'est dur, c'est très dur. Allez, je donne tout. Bon, là, déjà, on se conserve. Là, on n'a pas besoin du chapeau. Ok, maintenant. Mais les lancements en l'air, tu vois bien qu'ils sont autour. Et il y a les deux là-bas. Oh. Attends, juste qu'on soit sûr. Qu'on soit bien sûr de ce qu'on est en train de faire. Comment je fais pour qu'elle tourne autour de moi? Voilà, faut que je tourne comme ça. Ok. Attendez. C'est le pays des neiges, ça. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais oui, ben voilà, pays des neiges 100% terminé, Validax. Mais attends, mais... Non, c'est parce que ça devait pas y être avant, non? Parce que j'ai fait le tour des milliards de fois, là, rappelez-vous. J'ai fait le tour plein de fois dans cet endroit-là, j'avais tenté un truc improbable et tout. Bon, ben voilà. Terminé. Le pays des neiges est terminé. C'est dispo post-game, mais c'est pour ça, alors. Ok. Et ben voilà. C'est bien. Merci beaucoup à Ryomash Tersan pour le 9e mois. Merci Décapitaine pour le 12e mois pour l'année dans l'ombre. Merci Rigby pour le 4e mois. Et merci Léala pour le 15e mois. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis trop content. Je pensais pas que j'allais trouver de suite. Un niveau validé comme ça, ça régale, non? Trop bien. Finito le pays des neiges. C'est finito. Attendez, il y a des pièges, j'ai vu. Je pense qu'avec un saut pixel... Excusez-moi, je suis en train de croquer dans une barre de céréales, c'est juste énorme. Un saut pixel, ça le fait. Mais j'ai même pas besoin de saut pixel, en fait. Pas du tout. Ok, nice. En même temps, dans ce monde, encore une fois, on y allait qu'une seule fois, c'était pendant l'aventure. Pas depuis qu'on est en full farm, donc ça m'étonne pas qu'on trouve autant de choses. Bon allez, on se retente ça. Okay.
Je me suis trompé. On va refaire. Je me suis trompé. Je me suis trompé. On va refaire. On enchaîne directement. Je vais prendre plus mon temps. Genre quand je suis au milieu... Ah non. Ça le fait. Ah, oh, le choc est monstrueux par contre. Oh non, je me déteste. Ok, on refait. J'ai chaud. Il en reste deux. Qu'est-ce qu'il est dur! Allez. Eh mais c'est de loin le plus dur qu'on ait eu à faire, hein, avec les notes, là. On va le faire. Pour le plaisir. Pour le 100%, pour les fleurs. Pour Todd. Un vieil ami. Oh non, il en reste une. Mais ouais, mais du coup, je peux pas. À partir du moment où il en reste une, c'est mort, en fait. Eh ouais. Ok. T'as juste à lancer ta manette sur la droite. Ah oui, tu peux faire ça aussi. Ça fait mal, mais... Ouais, non, je préfère faire ça, je crois. Je vais essayer ça. Je vous rappelle que j'ai le... je suis nerfé par, par la douleur de l'épaule. Hein, qui rend le mouvement assez complexe. Ça... C'est un petit nerf, c'est un petit nerf. Ah non. Oh non. Pfff. Ah non, je voulais pas. Je voulais m'entraîner à... Oh non. Qu'est-ce qu'il fout mon chapeau? Oh non, il en manque un. Pas qu'un. Attendez, je tente un truc. Je peux faire ça. Tiens, je vais tenter un truc. Ouais, ça peut le faire. Ça peut peut-être le faire. En fait, je peux utiliser que ma main droite. Mais ça met du temps! Ou alors je me mets à tourner avant l'envoi. Je pense que je vais penser ça. Je vais faire ça. Toujours un plaisir, hein, le motion gaming, bien sûr. Ah, mais il en manque deux. Il en manque un sur le côté!
Ok. Je ressens pas assez mon chapeau, c'est ça le truc. Je ressens pas assez mon chapeau. Oh, mais ça met 15 ans! Oh non. Bon, il en manque une, mais j'ai envie de faire un try comme ça. Je pense que vous savez que je vais faire comme ça, je pense. Je vais faire comme ça. Je pense. Parce que j'y arrive pas, moi, en tournant le truc, là... J'y arrive pas du tout. Ah bah là c'est mort. En fait dès qu'il en reste une de note sur le côté là, c'est dead. Ouais. J'arrive pas en tournant en rond, j'arrive pas. Bah là, c'est mort de chez moi. Oh, j'y arrive pas, mais what the fuck, l'angoisse! L'angoisse! D'habitude, les notes de musique, ça se fait instantanément, je comprends pas. Roulade, ouais, mais c'est toujours pareil. En vrai, j'ai trop mal à l'épaule pour roulade. On va tenter, hein. Je me suis fait quoi à l'épaule? Je me suis fait vacciner hier soir. Oh, mais putain. Ok. On va le refaire. Ok, bon en gros tu peux juste spammer en te déplaçant quoi. T'as même pas besoin d'appuyer. En fait c'est beaucoup plus simple que ce que je croyais, j'ai rien à faire. Y'a rien à faire. J'ai juste à faire ça. Voilà. Y'a juste à faire ça. Voilà. Mais vu que je l'utilise jamais... Eh bah GG. Bah voilà. Non, ça c'est déjà fait. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Attendez, il y avait... Attends! Il y avait pas un truc là-bas? C'est pas en bas. Là, il y a une clé. Une clé à récup. Je fais un test. Ah, d'accord. Ok. Je pensais vraiment que j'allais mourir. Ah oui. Oui! Putain, je vous jure, il y a des travaux à côté de chez moi, j'ai l'impression qu'ils fracassent le bâtiment, genre.
Et c'est bizarre. Ah non, ça par contre non. Ouais, je préfère. Je préfère. Je peux m'y téléporter ? Vas-y. Ils font tomber le bâtiment. Non mais à tout moment, il y a tout qui tombe. Je tombe aussi et c'est la fin du live. Mais je pourrais pas trop vous prévenir à ce moment-là. Mais c'est possible. C'est pas... Enfin, ouais, c'est possible. À tout moment, là, il y a tout qui tombe. En haut... Ouais. 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 Je vois pas où c'est du tout, c'est énorme. Ah, peut-être une grille qui s'enlève ? Non, mais non. Pas du tout. Oui ! J'ai eu un peu peur, je vais pas vous mentir. C'est chaud. J'ai très chaud. Ok, donc ça c'est bon. Eh, ça farm, hein. C'est quoi ça? Ah oui, c'est la boutique. Ah, il y avait un truc là. Merci beaucoup Shiki Knight pour le 6e mois. Merci Sadax pour le prime. Merci Yavin Moin pour le 2e mois. Merci Furfall. Pour le Prime, Kogo pour le 8e mois, le Beau Fantôme, merci pour le 16e mois aussi. Merci le Golab pour le 6e mois et merci Siphoneil pour le Prime. Merci à vous. Let's go les 700, mais non. Wee-hoo. 700. Propre, hein. Juste par curiosité, c'est combien d'heures de jeu pour en arriver là ? Moi j'en suis à... on va dire 80-85 heures de jeu. Non ouais, un peu plus de 80 heures de jeu. Mais je suis quelqu'un qui prend... Enfin, je prends mon temps quoi. Je prends mon temps. Mais moi sur cette run, voilà, actuellement j'ai... 85 heures. 80, je sais plus exactement. Comment je peux faire pour aller là-haut ? Est-ce que je peux tenter un... Attends, c'était un oiseau qui avait la lune ? Je crois qu'elle était dans le sol là. Revenez ! Revenez s'il vous plaît ! Il me voit en fait. C'est chaud, mec. Ok. Attends, si je viens le voir en... Ouais. Ok, ok. Attends, mais si jamais je suis là... Ah mais oui, mais non, mais je peux faire ça en fait.
sauf avec le skin 8 bits. Bon, écoutez, je sais pas ce qu'il me veut. Ah bon, bah j'ai été backseaté du coup. Enfin, je sais pas si c'est ça la réponse, mais je viens d'être backseaté, oui, à 100%. Donc, je précise qu'en fait, quand vous proposez des trucs, même si vous n'avez jamais joué au jeu, ça reste du backseat, hein, de dire ce qu'il faut faire, quoi. En gros, dans le chat, j'ai vu skin invisible. C'est vrai que c'est pas con, au final, t'arrives avec un skin invisible, t'es bien, tu vois. Du coup, j'ai bien envie de tester, tu vois, en invisible. Là, il me voit. Il me voit, je fais du bruit. Quelle est la limite? 1, 2, 3. Ah, je pensais que c'était maintenant, il y avait une petite flèche sur lui. Alors attends, là c'est quoi juste? Hein? Est-ce que je peux avancer encore? Coucou! Coucou. Ok. Bah je pense qu'il faut juste... Ah mais il est déjà revenu? What? Quand il y a la flèche... Je peux pas faire autrement que lancer mon chapeau. Qu'est-ce que je fasse d'autre? Ma trage est pas bonne quoi. Et il revient. Regardez-moi ça. Et si j'arrive en face de lui, il me voit beaucoup plus, non? Ça change rien. Ça... Oh, il a l'air de s'en foutre royalement. Peut-être un peu abusé là. Un tour de caméra et il revient. Ok. Petit oiseau au château de Bowser. On l'a. C'est bon, on l'a. Ok.
Je vais me TP là-bas aussi. Wouh! C'est chaud, hein? C'est très très chaud. Merci Kamasti pour le 11e mois, merci Hugo, le petit JD pour le 7e mois, merci Jacob pour les 2 ans, le 24e mois, et merci MechCop pour le 4e mois. Merci beaucoup, merci à vous. Oh. Oh, c'est tellement plus kiffant quand il y a un emote only et que je peux chercher par moi-même. C'est tellement plus agréable. Triste. Triste vie. Ouais. Ok, 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 je peux monter par là, ok. T'as déjà fait ça? Ah si, déjà fait, déjà fait, déjà fait, déjà fait, déjà fait, déjà fait, déjà fait. Merci Lyrtrix. Lyrtrix, pardon. Merci pour le 11e mois. Et Tyrannium pour le 5e mois. Merci beaucoup. Bon, ça c'est sur le toit, ça c'est sur le toit. Et ça... Ça, il y a un truc là, là? Là? Peut-être encore un fil de... un fil de électrique. Ah! What? What? Ah si! Ok, faut secouer. Si si, ok. Faut secouer. Je pense. Non? Souvent le truc électrique c'est ça. Je vais tester ça. Non, c'est celui-là. Ah mais non, parce qu'il relie les deux. Le truc est là, mais what the fuck, la perspective. What? Mouais. La perspective était bizarre quand même. La perspective était bizarre, j'ai cru que c'était en face. Faut que j'arrive à monter là-haut. Est-ce que j'aurais pas des petits oiseaux? Les lunes de différentes couleurs, ça change rien, c'est juste la couleur. En gros, c'est en fonction du monde. Chaque monde a des lunes d'une certaine couleur. Ah. C'est ça? Alors ça, on l'a déjà fait, par exemple. Ça, là. Merde, non. Oui. Ça, je l'avais déjà fait. Oula. Oh. Ah. Oh non, les deux derniers sauts sont pas partis. Ok. On refait un stunt. Ok, je sais ce que je vais faire. Je vais... prendre ça... m'accrocher là. Allez. Non. Non, non, non. Elle va rester de toute façon. Non, non. Elle va rester. Normalement, elle reste. Non, non, c'est bon. On va voir. Merde. Allié. 100% allié.
Dis-moi qu'elle y est. Elle y est pas. Ok. On refait. Et là, je pense que je peux même faire ça. Alors, pas forcément une photo. Merci. Ok. Nice! Le farm est propre. Merci Lerina pour les 100 bits. Merci Lugo pour le 7ème mois. Merci à vous. Le farm est très propre. Ok, en face. Ça enchaîne là quand même. En termes de productivité, aujourd'hui c'est monstrueux. J'ai la ref. Va pas falloir non plus parler mandarin là parce que... Niveau productivité, Toadette t'a bien aidé. Bah, c'est-à-dire qu'elle m'en a donné 20. Mais au-delà de Toadette, aujourd'hui... Oh putain, ça va de l'enfer. Je suis bloqué ? Quoi ? Ah non. J'ai cru que j'étais bloqué. Oh, je l'ai tué en plus, magnifique, un bon coup de nez derrière le mur. Ok, nice. Bim boum bam bam bim boum bam. On n'a plus qu'à retourner ici, on va enchaîner là. Tu peux secouer ta manette quand tu es avec l'oiseau sur un mur pour aller beaucoup plus haut d'un coup. Ok. Il y a toujours cette histoire d'épaule, moi, qui me fait un petit peu mal. J'évite de trop secouer. Ah. Alors, j'ai peut-être une idée pour ce cube, mais je suis vraiment pas sûr. Mais j'ai peut-être une idée, c'est qu'à un moment donné, dans ce monde-là, on avait joué Bowser et on pouvait tout casser avec Bowser. Peut-être qu'à un moment donné, je vais pouvoir prendre Bowser et casser ça, peut-être. Petite carpe koi. Non mais je me suis pas fait mal à l'épaule du tout, hein. Juste hier j'ai eu mon vaccin et du coup j'ai l'épaule un peu démolie aujourd'hui. Et du coup secouer, j'avoue que c'est assez hardcore. Ah merde. C'était pas du tout dans ce niveau qu'on avait contrôlé Bowser ? Ah ouais ? Ah ouais. Ah. C'est sur la lune. Ah ouais. Pourquoi j'ai souvenir que c'était ici? J'ai vraiment souvenir que c'était là. Merde. Ok, il y a une lune quelque part là. Là, quelque part, en face de nous, il y a une lune. On peut backseat? Non. Non. C'est quoi ça? On peut le casser ça? On peut le casser. Mais après, on tombe, quoi. Ok. De mon côté, c'était le contraire. J'ai eu moins mal à la deuxième par rapport à la première. En vrai, c'est cool, tant mieux. Hein.
J'espère que j'aurai pas plus mal non plus à la deuxième, j'avoue. Non, je peux pas passer. Attends. Ah mais non, mais ça je l'ai déjà. Où est-ce qu'elle est? Elle est là-dessous. Ah, donc faut casser ces blocs. Attends, montre. Elle est là. Oui, voilà. C'est parfait, ça. Avec les carpes koi. Ils sont magnifiques. Voilà. Ah merde, non. Faut que je reprenne l'oiseau. Copain vient d'avoir sa première injection, il est tombé dans les pommes, il a eu des spasmes. Chaud. Mais j'ai vu un mec aussi quand moi je suis arrivé dans le centre où je me suis fait vacciner hier. J'ai vu un mec qui était au sol avec les jambes en l'air. Bon, c'est un malaise vagal, hein, c'est pas... C'est pas... Ça rassure vachement. Non mais c'est un cas sur je ne sais pas combien de milliers. C'est, tu sais, un malaise vagal, c'est pas grave, hein. Genre moi, je me suis évanoui je ne sais pas combien de fois parce que j'ai voulu donner mon sang plusieurs fois et que... Malheureusement, j'ai cette crainte de, tu sais, de l'aiguille qui me prélève un truc. J'ai cette vraie crainte et du coup, je me suis évanoui, mais je ne sais pas combien de fois. C'est pas très grave. C'est pas... Oh merde. Attends, je peux vous... Attendez, il y avait un truc là qui cassait ça? Pense, pourquoi tu bannes pas dev des gens qui paxitent? En fait, le truc, c'est que... En fait, le truc, c'est qu'il y a des gens, des fois, qui débarquent et qui découvrent Twitch et qui s'en rendent pas compte. Donc, tu vas pas bannir définitivement quelqu'un qui arrive et... Tu sais, je sais pas, t'as quelqu'un de 32 ans qui arrive sur le live qui fait « Oh, salut, première fois sur Twitch, putain, j'adore ce jeu, surtout le moment où... » Ah oui, là, il faut faire ça. Bon, bah, si cette personne, tu la ban def, c'est un peu hardcore, quoi. C'est ça, le truc. Par contre, je pense qu'il est indispensable de time out. Ça, oui, les gens qui ban def. Qui, qu'est-ce que je raconte? Qui Théo? Ça, oui. Attends, mais je peux pas le faire venir là. C'est impossible. Comment je peux le faire venir là? Je sais pas si je peux en fait. Je vais aller faire les deux trucs là qu'il y a. Ah mais non, mais c'est tout là-bas. Moi, je pense que je peux y aller avec ça, non? Ça va être bon. Ok. Ok, donc des fragments de clés à aller chercher. Ok. Est-ce que c'est à chercher dans des trous? Non, non, non. Fragment de lune ici.
Ah, ok. Je peux casser tout ça, ok. Y'a juste ça là, vraiment? Je crois. Oh, le petit passage scred. Oh! Cette deuxième lune! Ah non, c'est pas... Ah non. Je pensais vraiment. C'est un fragment. Ok. Le nouveau flipper de Jiraya. C'est stylé en vrai. Y'a quoi en dessous d'ailleurs? Oula. Ok. Sauf qu'il y en a deux là-dedans. Donc, on va continuer à chercher. Peut-être là-dedans. Ah. Ok. Ok. Je vais quand même prendre ça. Yes. Alors, où est-ce qu'elle est la deuxième? J'ai pas fait le tour déjà? C'est peut-être là-dedans en fait. Ah non. Non, non. Peut-être là-dessous. Non. Ok, ça j'ai fait. Peut-être là-dedans. Non. Et en haut. Ah, rien du tout. Ok, ouais, ouais. Ah bah voilà. Et bah voilà. Bon, ça en vrai je trouve que c'est assez facile parce que t'as juste à regarder absolument tous les recoins. Normalement tu finis par trouver quoi. Oh, par contre ce niveau pour le moment c'est le farm. Hein. Contrairement genre au pays de la neige où j'ai galéré, là c'est le farm. Après j'avoue je sais pas, j'en suis à combien j'en suis là? Ok, j'ai rien dit, je suis à 35 sur 62. Non, j'ai rien dit, c'est juste que j'avais vraiment rien. Ok, non, ça va être chaud. Je deviens juste meilleur. Non, en vrai, c'est juste qu'il m'en reste masse. C'est pour ça, il y en a partout, quoi. Au niveau des lunes supplémentaires, le niveau de château de Bowser est plus facile que le pays de la neige, je trouve. Bah moi aussi, Pays de la Neige, franchement, il est chaud parce que t'as plein de zones où quand tu rentres dedans, bah genre Capi, il te dit plus, tu sais. Il te dit pas, ouais, t'as tout, ouais, t'as pas tout. Donc en fait, tu sais pas trop. Il y en a des cachés un peu partout et tout. Pas simple, hein. On va aller là-bas aussi, il y en a deux. Est-ce que je peux? Ah, je suis pas sûr, en fait. Je ne suis pas sûr. Là-bas, il y a un truc pour m'envoyer. Ah, si, ok. Tu fais un 100%, tout à fait. Est-ce que dans ton 100%, tu comptes prendre toutes les pièces violettes? Ouais, ça fait partie du 100%, ouais. Merci, Uena, pour ton 16e mois d'abonnement, merci beaucoup. Ok. Parcours du combattant avec les oiseaux. Ok, chaud.
cette zone. Oui, ça va être chaud, je pense. Les problèmes, oui, oui, oui. Breath of the Wild 2, ce sera 100%. Ouais, Breath of the Wild 2, ce sera aussi 100%. Ouais. Enfin, je pense. Si le jeu me plaît, hein. En fait, je me force pas, tu vois. Si le jeu me plaît, je go 100%. Après, y a pas de raison qu'il me plaise pas. Ouais. Franchement, y a assez peu de raisons qu'il me plaise pas. J'ai aucune attente pour Breath of the Wild 2. Vraiment. Genre, j'ai aucune attente de spécial. Je pense que là... Là, je vois une ombre. Non ? C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce rond noir là ? Ah non. Ah non, c'est pas du tout une ombre. Ah, je pensais que c'était une ombre. J'ai vu. Ok, j'ai vu. Pour la deuxième. Je sais où elle est. Enfin, je pense. Je pense que je sais. Oh, quoi ? Bien, ouais. J'étais bien joué comme si c'était un joueur. On est sur Smash, hein. Je ne vois rien. Ok. Je pense que c'est la deuxième. C'est même sûr, en fait. Je peux pas remonter par là ? Classique, quoi. Bien sûr. À la régulière. Franchement, si sur Breath of the Wild 2, tu peux nous sortir le même clip que sur le premier, je pense que j'en tryharderai d'autres aussi, des clips. Parce que même sur Breath of the Wild 1, j'en ai un à faire de clips. De nouveaux clips. Qu'on fera si jamais on se fait cette run expert, là. Ah ! Oh non ! Ok. Quel clip ? J'en dirai pas plus. Vous voyez pas de quel clip je veux parler ? Vous avez pas vu sur... sur Reddit ? Vous avez pas vu sur Reddit ? On va plutôt passer de l'autre côté. Hein. Qu'est-ce que c'est que ton... Non, il va me faire perdre une vie. Voilà. Je vois rien. Peut-être qu'il fallait pas faire ça, justement. Quoique... Ah non. Ah non, faut aller tout en haut. Du coup, je vais tout casser. C'est chaud. Oh, je vais tout casser. Oh, la déception. Oh, je pensais qu'il y avait au moins des une monnaie violette, un truc. Très déçu. Un peu cher. Oui.
Ah bon? Ah bon? C'est une physique parfaite. Parfaite. C'est parfait. Merci à Ellie Suspicious pour le troisième mois. Sindou pour les 100 bits aussi. Bien sûr. Colours, merci pour le cinquième mois aussi. J'ai bien reçu le paquet de cartes. La qualité et les visuels sont incroyables. Par pitié, achetez-le. C'est gentil, je retombe dans l'ombre. C'est gentil, Colours, merci pour le soutien. En parlant de Breath of the Wild, j'ai vu qu'on pouvait filer la Master Sword à un frérot du clan Yigas et le glitch prend deux vraies bonnes heures à faire. Sérieux? C'était pas ça que je pensais. C'était pas ça que je pensais en vrai quand je pensais à un clip, mais... Ouais, y a un truc, c'est vrai. Petite VOD, quoi. Oh, la descente aux enfs. On la refait. Ah non. Oh, il y avait ça. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Oh, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Oh, la nouvelle mécanique. Boum. La spin attack. J'ai pris le pire chemin. Non mais... Oh, pixel encore une fois. Quoi? Ça m'a fait lâcher carrément. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne voit. J'ai chaud, hein. Ok, les déplacements pour le moment sont très très propres ici. Là, faut sauter et pas aller chercher trop. Humble, voilà. Exactement. Et là, normalement, là, je vais pouvoir masterclass. En fait, tout à l'heure, quand j'étais pixel en bas, là, j'étais bien, quoi. Bien. Ah! J'ai chaud, j'ai très très chaud. Non, je peux aller là plutôt. Pour faire genre. On sait même plus sur quel truc je suis. Ok, top. Masterclass. Le turn. On y va. On va chercher le plus loin possible. Maintenant. Voilà. Et là, du coup, j'ai l'espace. J'ai l'espace. Il est créé, cet espace. Là, j'attends. Je fais un peu de la peine. Et là, je sors. Je te laisse vivant, mon pote. Bisous. C'est pas moi qui ai décidé. Ok. Ok.
très bien. Il a disparu. Non mais c'est son choix en vrai, y a aucun souci. Y a aucun souci. Merde, pourquoi j'ai screen? En même temps, c'est un bel endroit. Hein. C'est vrai que c'est plutôt beau. C'est quoi la piraterie fleurie? Ouais, c'est Sea of Thieves, tout à fait. Ce soir, c'est Sea of Thieves avec Ultia, Rivendi et Azilat. Complètement. Ah, lui aussi, il a perdu son pote? Ces créatures au bec extensible sont vraiment fascinantes. Si seulement je pouvais en voir un plus près. Avec plaisir. Pas deux fois, mon pote. Attends, mais c'est écrit, celle-là? Ah non, elle est même pas écrite. Ok. On avance bien là, bordel. Je pensais pas qu'on allait avancer si vite. Cette mécanique est vraiment incroyable. Ça me rappelle tout. Le tout dernier niveau du truc obscur là. Ultra dur le passage avec ça. Vraiment, il était très dur. Très intéressant, mais assez difficile, ouais. Mais non! Un peu plus de 40 lunes aujourd'hui, je crois. Putain, si, ça commence à être énorme, hein. Ok. Y'a quoi en dessous, là? Non, c'est que des pièces, je crois. On m'avait promis un slow run. Ça va. J'arrive à décéder sur à peu près tous les niveaux. En termes de slow run, on est bien, quand même. Ah oui, ce truc, il faut casser. Comment casser ce truc? Avec l'énorme machine. Mais l'énorme machine, comment je peux l'amener ici? On n'a pas là-bas. Hein. Non, je crois pas qu'il y en ait là. Non, il n'y en a pas. Je vais retourner là-haut. Regardez, lui, il casse. Mais jamais il peut descendre, là. Genre là, par exemple. Viens. Ah. Non. Il va me tait. Terminé. Je peux pas contrôler. Je peux pas prendre contrôle de lui. Je peux l'éclater comme ça, ouais. Mais pas prendre contrôle. Ok. Il y a une lune ici aussi. Sur ma boussole, elle est indiquée où? Je la vois pas. Ça là, c'est déjà eu. Et là, ah! Ça doit être en haut aussi. C'était quoi ça? Ah, c'était la caméra qui a juste bug en fait, c'est énorme. Ouais. Oh, Captain Toad. Ah yeah. Nice. Il est beau comme tout. Entre Toad et Toadette, aujourd'hui, on se met bien. Hein. On se met très très bien. Bon, du coup, je vais essayer d'aller en haut.
Parce qu'il est censé y avoir une lune genre là, ouais, autour de moi. Ah là, ok, j'ai vu un truc. Avec au moins des pièces et tout, j'ai vu. Y a pas un bloc de métal qui se pète. Si, mais ça, c'est, je l'ai déjà eu ça. Je l'ai déjà eu, c'est avant. Et c'est du backseat aussi de dire ça, quand même. Je précise. Mais je l'ai déjà eu. Merci, j'aime le ramen pour le prime. Merci Luther pour le 13e mois et merci Masto pour le prime aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Ok, je vais essayer d'aller là-bas, comme ça. Ok, ok, je me suis pris un stop énorme, ok. Ah non, mais il y a un muret là. Ok, pas de problème. J'ai raté le... Oh, hyper close. Bon, j'ai raté le muret. Si j'avais le muret, j'étais large. Merci SplitX pour le prime. Merci beaucoup. Bienvenue. Oh ! Attendez, non, je vais retourner là. Oh non, je suis au-dessus de la lave. Je me fais bonked. En fait, je peux pas tourner la cam dans le sens que... qui m'arrangerait là. Genre, j'aimerais bien mettre la cam comme ça. Ah si, je peux. Ah, mais dès que j'avance... Oui, voilà. Là ? Ah, je peux pas. J'ai pas compris où tu veux aller, où tu voulais aller. Là en face. Là. Là. Genre. Attends, regarde. Oh ! On va le faire. Ça a raté le... Ah ah. Wow. Ça l'a fait. Évidemment, j'avais un autre accès à ici, hein, avec ça, je pense, qui m'amène... Ouais, voilà, là-bas. C'était plus tard. Mais en fait, il y a une lune. Mais elle est où, cette lune? Là-haut? Attends. Ok, m'en dis pas plus. Non! Ah, bro? Ok, il va rip-hop ici, c'est ok. Ça va. Je vais quand même essayer de tous les tuer. Parce que des fois, on n'est pas à l'abri d'un truc comme ça. Hein. Ok, bon, c'était pas ça. Assassin. Un peu, c'est vrai. Ce serait mentir que de dire le contraire. Oh, la déception. Nice. Avec une vision plus globale, en étant l'aigle, je peux aller chercher quelque chose. Regardez. Ah non. Ah. Ah, la petite douleur à l'épaule là-dessus là. Ok, bon, je suis pas l'aigle. Elle est encore plus haute que ça ? C'est quoi ça? Attends, quoi?
la nouvelle Switch, la Switch OLED, elle sort en octobre, je crois. Stonks. En octobre, ouais. Ah mais c'est ça. C'est vraiment ça, la lune. Salle au trésor, Château Bowser. Ah non, c'est pas celle-là, ok, c'est pas celle-là. Je me disais, ouais. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Tu l'as préco... Non, moi, je vais pas la prendre. Je vais pas la prendre, la Switch OLED, parce qu'elle apporte rien de spécial en docké, et moi, je joue que en docké, donc... j'ai peu d'intérêt à la prendre, en fait. Voire aucun. En fait, j'ai aucun intérêt à la prendre. Et en plus de ça, j'ai déjà le port Ethernet que j'avais acheté en plus, qui m'avait coûté genre 15 balles. Donc du coup, ben... aucun intérêt à l'avoir, donc non, je ne la prendrai pas. Trop bizarre. Trop bizarre. Les lunes sont indiquées sur la map. Ouais, pas toutes, mais certaines sont indiquées sur la map. C'est les petites croix que tu vois là. Ça veut dire qu'il y a une lune là quelque part. Après, on sait pas si c'est en haut, en bas. Tu vois, c'est pour ça que je cherche comme ça. Ah mais... Ah non, j'ai cru que c'était une lune là-bas. Ouais, tu as pris quoi comme port Ethernet? Moi, la marque que j'ai pris, c'est Ugreen. Et c'est plutôt très bien. C'est ce que quasi tout le monde a, Ugreen. Voilà, ça coûte 14€. Et il marche très bien, il est très stable, j'ai le même depuis 2 ans. C'est propre. Yes, ça valait le coup. Le truc c'est que je sais pas où est le... Ah bah c'est là. On va où là? Ça s'arrête pas? Ok. Sonic. Il faut sauter en fait. Ça c'est une mécanique qui m'est assez inconnue sur les Mario. En gros, il y a un bouton de saut qu'il faut pas hésiter à utiliser quand il y a des obstacles. Enfin, c'est un peu une nouveauté, j'ai pas l'habitude. Il faut que je m'y fasse petit à petit. Quand on y retourne. Chaud. Merci Splitix pour le Prime, merci Osmos Ben pour le 7ème mois, merci Lilith pour le 4ème mois, merci Tito Ludo pour le Prime, B-Boy's Age, merci pour le 4ème mois, merci Skodaro pour le Prime, merci Akabei pour le 4ème mois et Elisabeth pour le 15ème mois, merci beaucoup. Boum. Merde, j'ai sauté trop tôt. Et pourtant que la montagne est belle. Oh ce... Ouh, on est complètement bourré. Oula, ça va tomber à mon avis ça. Ah bah non. La vitesse est enlevée. J'ai fait un sauvetage vraiment en règle. Mais genre en règle. Clean. Merci Pedro Dolores pour le 11ème mois de Prime. Merci beaucoup pour votre soutien. Bim. T'as combien de lunes? Oh non! Non! On est quelque chose comme 714, comme ça je pense. T'as fait tomber ton gland. J'ai enfin perdu mon gland de lait.
Enfin. Après toutes ces années. C'est quoi ça, juste cet étage, c'est quoi? Ok, j'ai rien à tirer de cet endroit apparemment. Le glandoleux, c'est vrai. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Le glandus lactalis. Bien sûr. Une notion un peu particulière. Est-ce que je me fais bait si je saute là? Bah pas tant que ça en fait. 79. Comme disaient les médecins romains. Ok. Je viens d'arriver, pourquoi Pompon après ce pas de pièces d'or? Je me suis acheté le skin... Le skin 8... 8 bits. Je sais pas viser. Oh, j'ai bon sur ça. Je me le suis acheté, il a coûté 9999. Donc du coup, effectivement, j'ai plus beaucoup de thunes. Et encore, je trouve quand même que ça monte vite, hein. On peut le voir. Me chauffez pas, hein. Vous savez à quel point je suis capable de... Du pire comme du meilleur. Bien sûr que vous pouvez le voir, attendez. Évidemment, évidemment. Évidemment. En plus, c'est mon skin préféré. Ouais. J'ai cru qu'on parlait de ton gland pendant 2 secondes. Mon gland de lait? Ah non, je vais pas le montrer là. Je pense pas en tout cas. À voir, mais je... C'est chaud. Regardez. Tu l'as conservé? Non, je l'ai plus sur moi, mais je l'ai conservé dans un bocal, mon gland de lait. Oui. Envie de vomir, pareil. Pardon. L'enfer. C'est immonde. Il est beau, non? Est-ce que vraiment vous aimez pas? Il est magnifique. Moi, je trouve... Moi, sans déconner, je le trouve magnifique. On était où, déjà? Tac 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 bim boum bam bam bim bam bam bim boum. Là. Ouais, là. Je déteste ce skin. Ah ouais? Non, moi vraiment je le trouve bien en vrai. Il est vraiment bien. Il manque un poil d'animation mais il est très beau. Mais c'est ça qui fait toute son charme. Regarde, il est d'une rigidité. Tu perds tous tes repères en fait. Ok, bah c'est exactement là où j'étais, c'est parfait. Oh l'enfer! J'ai éternué, en éternuant ça a contracté. Ah, les... Ah, ça me détruit l'épaule! Ah, ça me détruit l'épaule! Ah ouais! Ah ouais, c'est. C'est sympa. Oui. Non, vite. Pouf. Chaud. Athletic Tag 2. Ah, mais c'est celle-là qui était inscrite. Ok. Ah oui, d'accord. Je pensais pas que ça allait être celle-là. C'est trop bien de pas se retenir quand on éternue. Ah, moi, je me retiens jamais quand j'éternue. Et j'y vais de bon cœur. Et genre, vraiment. Et je trouve ça hyper agréable, quoi. Oh, waouh, waouh, waouh.
C'est un orgasme en soi, c'est une forme d'orgasme, hein, c'est clair. C'est clair et net. Hein. Oh, bah clairement, il y a une forme d'orgasme là-dedans. Oh non! Ah si. Bien sûr. C'est quoi la règle? C'est où? Quoi? Ah, il faut que je secoue alors que j'ai mal, bordel! Allez, random, on saute. Aucune idée d'où je vais tomber. Ok, là, ouais. Comment je fais après? Mais par où ils passent eux? Ah oui, il y a un chemin là. Ah non, je suis trop con. Pourquoi j'ai fait ça en fait? Je sais pas pourquoi. Excuse-moi, je sais pas pourquoi j'ai utilisé cet oiseau en fait. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. J'ai cru que j'allais devoir m'envoler, prendre un mur, un truc comme ça. Tu t'es fait quoi à l'épaule? Non, je me suis juste fait vacciner en vrai. Juste comme tout le monde en fait. Hein. Ah, c'est un muret ça? J'aurais dû... Je sais pas pourquoi j'ai pas en bleu d'avant. C'était ta deuxième... Non, même pas, c'était ma première en plus. C'était ma première, mais en fait, je me sens bien, tu vois, c'est juste mon bras. Juste mon petit bras, quoi. C'est pas le chemin. Non, ma deuxième dose, normalement, c'est le 17 août. Voilà. Vous savez tout, c'est énorme. Qu'est-ce que je fais? Il est où? C'est quoi le chemin? Ah, c'est là-bas. Ah non, c'est... Mais elle est super longue, cette course, mais c'est un marathon. Oh, le world record doit être impressionnant par contre. Oh putain, ça ne s'arrête jamais. Le world record, je viens de regarder. A votre avis, c'est combien de temps? Parce que du coup, les modos, c'est toujours les boss, ils m'envoient les liens et tout. Non, ça va, ça me rassure en vrai. C'est... Là, ce que je vois, en tout cas sur la vidéo, c'est 1 minute 4. Donc ça va. Ça va. Ça va. C'est pas genre 17 secondes, dinguerie. Voilà. Voyons le classement, quand même. Alors moi, c'est très random, hein. Ah, je suis avant-dernier de ma liste d'amis. Ah ouais, c'est... Ah ouais, l'ego qu'on prend un coup là-dessus. Oui, c'est... Alors, montre juste le... Voyons le record du monde. Alors, le record du monde, messieurs, dames, je vous le montre de suite, bien sûr. Avec un record à 17 FPS. Ah oui, voilà, il passe sur le côté, ok. Oh là. Il vient littéralement de gagner 45 secondes sur ma run, là, vraiment. Eh ouais, moi, je savais pas le chemin aussi, j'ai cherché. Oh, j'avoue, je vais faire ça. Oh, oh clean! C'est propre quand même.
Waouh. Ouais, c'est vraiment monstrueux. C'est vraiment monstrueux. Il est très chaud. Bah oui, c'est un record du monde, quoi. Très chaud. Merci Roacide pour le 14e mois. Merci beaucoup. Bon. On se le fait ? On y arrive ? Est-ce que les devs, ils pensent à ce genre de run quand ils créent le jeu ? Je sais pas s'ils pensent à tout. Après, je pense qu'ils sont quand même pas dupes, tu vois. De certaines choses. Mais après, il y a toujours des trucs, hein, tu vois. Par exemple, sur Mario Kart, le soft drift, c'est juste un bug, quoi. Tu vois. Ou par exemple, la strat tambour, c'est un bug aussi, tu vois. Donc, je pense qu'ils savent qu'il va y avoir des choses, mais ils savent pas exactement quoi ou... Ouais. Ils auront autre chose à penser, ça, c'est sûr. Non, je rigole. Ok, il saute. Il continue. Go. Mais déjà... Je vois rien. C'est énorme, je sais pas où je vais. Ah c'est ça, ouais, il y avait un rebord. Je me détruis l'épaule, hein. Je me détruis l'épaule. Ouais, c'était celui-là où je voulais tenter, là. C'est un peu plus lent, mais... Oh non, 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 pourquoi j'ai fait ça? Là, il est déjà arrivé, lui, hein. Ah, lui, sa run est finie, hein. Ah lui, sa run, elle est finie, là. Par contre, je me suis mis bien, quand même. Pour le deuxième try, c'est pas mal. Une 30. Je pense que là, je suis plus avant-dernier de ma liste d'amis. Je pense même que je gratte un top 15 minimum. Je pense. Oh, le top 8 qui a été touché ici. Oh, Ken Bogard dans le rétro! JD dans le rétro! Je pense qu'il a fait une fois JD. Et après, il a fait bon, bah voilà. Bon, bah c'est fait. Pilum, pilum. Merci Amon Sensei. Pour le troisième, merci beaucoup. Tu peux large gagner 10 secondes. 10 secondes 10 secondes, Ah, ça me semble... 10 secondes, ça me semble très chaud. Play est jouable. 26. Je pense que tu vois, genre, ouais. 5 secondes, c'est faisable, tu vois. Mais chaud, quand même. Guild dans le rétro. Ouais, mais il a pas tryhard, celui-là, je crois. Classement monde, c'est quoi? 84 millième? Mais attends, mais comment ça se fait? Parce que d'habitude... Vous trouvez pas ça bizarre? Parce que d'habitude, les autres trucs de Koopa, j'ai dû tryharder je ne sais pas combien de temps pour choper genre le top 150 000. Là, je suis 84 millième. Est-ce que ça veut pas dire qu'il y a moins de gens qui l'ont fait? Je pense, en vrai. Moi, je pense. Je pense que c'est parce qu'il y a moins de gens. Parce que franchement, les premières courses Koopa, j'ai dû tellement passer de temps, quoi. Merci Pyrocaf pour le 9e mois de Prime. C'était pas mécaniquement... Ouais, peut-être. Je le retente une fois, mais en vrai, j'ai un peu mal au bras, donc... Si j'avais pas mal au bras, j'aurais été trop trop chaud. Si j'avais pas eu mal au bras, mais là... Ça fait un peu mal. Donc je veux pas me détruire le bras non plus, même si ça fait du bien de se bouger un petit peu, bien sûr. Ça te gêne pas le skin? Pas du tout, en vrai. Bizarrement.
Comment il fait là? Attendez, on va recommencer de toute façon, mais comment il fait là pour aller en un jump jusqu'au bout? Moi, c'est ça ma question. Là, il part. Ok, il fait un truc que je ne sais pas faire. C'est un glitch, ouais. Il tape contre le mur. Ok. Bon. Bon, je pense que je le rentre. Hein. Pas du tout. Mais alors, mais pas du tout. J'y arriverai jamais. Ça c'est bien, ça c'est ma strat, ça. Mais en vrai, je pensais pas que ça allait passer par contre. Mais par contre, je pensais... je pensais pas du tout que ça passerait, what the fuck. C'est pas immonde en vrai, si ça avait été maîtrisé... Non, bah non. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, j'ai pas de chance. À la frame. Ah, c'est... Pourquoi j'ai... Pourquoi je fais ça, moi? Oh non, c'est une catastrophe cette run, hein. Ah, c'est nul. C'est nul à chier. Peur de gagner. Oh, c'est dur aussi quand même. Par contre, ce que je peux faire, c'est ça. J'ai mis ce clic. Je pense que là... Casse-toi, casse, dégage. Dégagez tous. Ok, on peut le faire. J'adore les piafs, mais là, c'était chiant. Il faut que je passe à sa droite, je pense, du coup. Ok. Ah bon? Ah bon? Ok. Il envoie son chapeau en l'air, il y a jour de mariage apparemment. Je passe un peu à droite là. Là je repars ici. Avec ce skin, ça me détruit par contre. A chaque fois, mes retours comme ça, là, c'est pas...
Ça va l'épaule? Ouais, ça va, ça. En fait, j'ai l'impression que plus je bouge, plus je me permets de bouger. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est propre. Hâte de voir le moment branlette dans le best-of, en tout cas. C'est infernal. Ah, j'y peux rien, moi. C'est le motion gaming. Allez, on refait. Tu me diras, c'est un peu le principe de l'engourdissement aussi, hein. Oui, c'est ça. Bien, à droite, là. Attends, attends, attends. Allez. On continue l'aventure. C'est une aventure, plus on va forcer, plus on va avoir mal, plus on va avoir mal, plus ça va être dur, plus ça va être dur, plus on va avoir envie de continuer, plus on va avoir envie de continuer, plus on aura mal, enfin bref. Là, non, là c'est compliqué, fuck. Là c'est chaud. Qu'est-ce que vous faites là, les lapins? Ok. J'ai la ref. Pour ceux qui se demandent, Ponce a mal à l'épaule à cause de Skyward Sword, t'imagines? J'ai des courbatures au bras parce que hier, les combats, ça m'a ravagé. Ah putain, c'est vrai qu'il y a cette histoire là. Ah attends, j'ai peut-être une idée là. Je pense à un truc. Je pense pas que ce soit ça, mais... Y'a pas des bombes qui peuvent rouler jusqu'à là? Alors, je vais voir là. Ah non. Parce que là, il y en a trois. Il y en a une qui va là et qui s'arrête ici. Aïe. Aïe, attendez. Et il y en a qui va là. Ah! Je sais ce que je vais faire. Alors. C'est ça, c'est sûr. Let's go! Cette musique me rend dingue. Je l'aime bien, moi, quand même. Ok, bah parfait. Regardez, on a donc récupéré toutes les lunes qui sont indiquées sur la map. On va déposer ça, on va voir combien ça fait. Il est 16h32. Je vous rappelle que ce soir, on se retrouve à 20h pour Sea of Thieves avec Ultia, Rivendi et Azilat. Donc je vais pas tarder à stop quand même. Parce que de toute façon, je reviens dans 3 heures, là. 3 minutes qu'elle me tend, cette lune. Voilà, on l'a fait. 719 lunes. Par contre, on avance de ouf. Hein. On avance vraiment bien, bien, bien. Maintenant, on va voir le perroquet. On va voir si on a des inspi, quand même. Quand même. Merci, Antagonas, pour les 100 bits. Et Vavoun, pour le 20e mois. Toujours présente dans le bouquet. Merci beaucoup, Vavoun. Pour le 20e mois de Prime Gaming. Sur la chaîne. Il est là. Il va y avoir acrobat... Lapichou chez Bowser. Oui, il y a des lapins, j'ai vu, oui, oui. Alors, Lapichou chez Bowser. Ok. Merci Night Punisher pour le 10e mois, merci beaucoup. On va voir s'il y en a une qui nous inspire. Bon, Lapichou, déjà, je pense au lapin. Au-dessus du marais empoisonné. Bon. Pareil, tu vois, genre là, bon. Au-dessus du marais empoisonné. C'est assez explicite. Et ensuite...
Partie de pêche chez Bowser. Ok, donc là, il faudrait trouver un Lakitu qui pêche quelque part. Partie de pêche chez Bowser. Là, ce qui me vient à l'esprit pour la partie de pêche chez Bowser, ce serait ici. Là, il y a de l'eau. Ah. Ok, il n'y a qu'un endroit où il y a de l'eau, je crois. Ok, je sais pas pourquoi j'ai pensé plutôt à ça. Parce que vu qu'il y a la boutique et tout, c'est un peu plus chill. Mais Oh bah. Oui, déjà il y a ça, effectivement. Bien sûr. Bien sûr. Ah, ça creuse de voyager, je ferais bien une petite escale gastronomique quelque part. Bah, gastronomique, je me demande où. Et ensuite, la pêche, bah la pêche, ça peut que être là, y a pas d'eau ailleurs. Ah, il doit y avoir un poisson avec un truc, je pense. Alors là, on y est déjà allé. Ah oui, c'est bloqué ici, ok. Oui, j'avoue, j'avais pas capté. Peach qui revient dans le pays de son kidnappeur, ça n'a aucun sens. Ouais, je suis en voyage ici, c'est plutôt chill. La dernière fois que j'étais allé, j'étais complètement enfermé par Bowser qui me déteste, mais qui me déteste, quoi que... Ah, vraiment? Là, je voulais retourner pour voir un petit peu, tu vois, pour profiter un petit peu différemment, avec une ambiance peut-être un petit peu plus chill, voilà. Là, je suis pas kidnappé, là, je suis juste chill, c'est moi qui... Voilà, je suis bien. Y'a pas d'embrouille, y'a rien. Ça, oui, j'ai. Syndrome de Stockholm, c'est exactement ça, en vrai. Tu vas me dire que c'est pas là, là. C'est forcément là. Mais y'a rien qui brille. Après, c'est des Capcoy. Je sais pas si c'est protégé, mais ça me paraît... Un chemin. Ce que je peux faire, c'est ça. Aïe. Mourir, en fait. Genre, imagine... Non! Ok. Genre, imagine si l'oiseau peut donner un petit coup de bec dans le poisson afin de le pêcher. La dingue. C'est pas possible. Ah. Ouais. Je pense pas que ce soit ça en vrai. C'est quoi le nom? Au-dessus du marais empoisonné. Non, pardon. Partie de pêche chez Bowser. Peut-être que c'est dedans? Ouais, je sais pas. Je sais pas. Messieurs, dames, quoi qu'il arrive, on va s'arrêter là. On est à un chiffre rond. Ça tombe plutôt à pic, si je puis dire. Hein? Hop. On est à 720 lunes. Honnêtement, on a tellement avancé, c'est propre. C'est ultra propre, je suis trop content. 720. C'est allé plus vite que ce que je pensais hein, sur ces trucs-là. C'est clean, hein. Wouhou. 720 sur combien? Sur 9999, si je ne dis pas de bêtises. De toute façon, en général, c'est ça. Voilà. Merde, pas mode d'emploi. Toadette qui carry. Ah, Toadette m'a mis très bien, ouais. Merci Ninou pour le 9e mois, merci beaucoup. Ah, merci Toadette de ouf, mais après Toadette, finalement, si tu débloques des lunes avec Toadette, ça veut dire que tu en as débloqué ailleurs. 999, pardon. Excusez-moi. Peut-être faire une petite sieste, moi. Tout à l'heure, j'ai eu une petite montée, j'ai senti... Tout à l'heure, en début de live, j'ai eu une petite montée de fièvre. Je l'ai senti fin milieu de live. Genre, j'ai vraiment senti une petite montée de fièvre. J'étais en mode, oula. Et en fait, non, ça va. En vrai, c'est redescendu.
Genre là, je me sens plutôt bien. Je pense que je vais quand même faire une petite sieste, mais je me sens plutôt bien. Merci Taco Possum pour le deuxième mois. Merci beaucoup. Aurélie Corne aussi, merci pour l'abonnement, bienvenue. Deuxième dose, même pas, c'est ma première dose. Mais c'est même pas ma deuxième. Ouais. Tu sais, je vais me faire vacciner maintenant, j'ai peur, wesh. Mais non, c'est tranquille. Moi je te dis, je suis quelqu'un d'hyper frileux, je suis une chochotte, hein, moi, je suis vraiment une chochotte sur les aiguilles et tout. Et franchement, c'est tranquille. T'es tout rouge. Ah bon? Comme ça, voilà, c'est peut-être mieux. Voilà. Mais je pense que je vais aller me balader tranquille. Je pense que je vais aller me balader tranquillement, ça va me faire du bien. T'as fait quel vaccin? Pfizer. C'est ce qui est conseillé pour les gens comme moi, je crois. Ouais. Classique, hein. Je vais me balader tranquillement. Perso, deuxième dose, nickel, mais la première, non. Bah ouais, je pense que ça dépend des gens. Après, moi, là, c'est nickel, hein. Attention, hein, je dis pas du tout que je prends cher. Hein. Moi, je suis pas du tout... Genre là, je suis pas du tout genre en mode j'ai la fièvre ou quoi. Juste tout à l'heure, j'ai une petite montée. Et puis j'ai mal au bras, mais la douleur au bras, c'est très différent, tu vois. J'ai tenu la main de ma copine. Si tu veux, je te tiens la main pour le deuxième. Hein. C'est adorable, ouais. Bien sûr. Ouais. Ouais. Non, mais ouais, chacun sa réaction. Tu vas partir. Ouais, je pars. Là, j'y vais et je relance le live d'ici à peu près 3 heures. Parce qu'à 20 heures, c'est le retour de Sea of Thieves avec la piraterie fleurie. Donc, on fait la fable numéro 2. Vu que la dernière fois, on avait fait la une la semaine dernière. Là, cette semaine, on fait la fable numéro 2. Donc, Sea of Thieves toute la soirée. Je relance le live entre 19h30 et 20h. On a rendez-vous à 20h avec tous les copains. Merci beaucoup d'avoir suivi ce slow run sur Super Mario Odyssey. La prochaine session, c'est mercredi prochain, parce que c'est tous les mercredis pour Super Mario Odyssey. Merci beaucoup pour le soutien. Merci pour la présence. Merci pour tout. C'était, comme d'habitude, très cool. Ce soir, Sea of Thieves. Pareil, pas de backseat, évidemment. C'est tout le plaisir et aussi dans la recherche. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ce soir c'est Sea of Thieves, demain c'est Trackmania avec le FCF, puis Pokémon Unite avec le FCF. Et puis voilà.